Jouer dans ce gala, c'est la première fois je crois que je faisais un, un gala, euh, c'est la première fois que je jouais devant autant de monde, euh, et donc je suis comme à chaque fois que je dois monter sur scène complètement terrorisé. Euh, tout, toutes les prestations sont hyper importantes pour moi à l'époque, et faut quand même savoir que moi j'ai été euh, très très longtemps refusé des festivals et des galas, etc. etc. Donc euh, c'est la première fois qu'on me c'est la première fois qu'on me qu'on me qu'on m'invite qu à un gala. Et d'un autre côté, je me dis, oui, mais on m'invite parce que maintenant, ça commence à marcher, donc il faut que je sois à la hauteur, avec un sketch. Et puis alors, à ce moment-là de ta carrière, en fait, tu te poses pas de questions. Par exemple, euh, je me disais, les gens vont pas rire parce qu'ils connaissent le sketch. Parce qu'à ce moment-là, comme tu vis dans ta bulle, tu as eu 2-3 millions de vues sur Internet, les gens ont vu à la télévision. Alors, tu es convaincu que tout le monde a vu le sketch alors que non. <laughs> Alors que non. <laughs> il y a plein de gens qui te connaissent même pas d'ailleurs. Qui <laughs> savent pas qui tu es. Les autres donc, artistes autour de toi savaient même pas qui tu étais. Ben bah non, il y a plein d'artistes qui savent pas qui je suis. Euh, Moi-même d'ailleurs à ce moment-là, je ne sais pas trop qui je suis. <laughs> donc euh, donc euh, c'est des c'est des époques mais c'est pas du c'était pas euh, melon, c'est juste que tu vis dans ton dans ta bulle et tu te dis "Ah oh, mais les gens vont être déçus de voir de revoir le même sketch, est-ce que ça va rire autant Et puis euh, et puis là c'est une grande grande salle. Donc euh, moi, j'avais jamais joué dans des grandes grandes salles comme ça, donc c'est très très impressionnant. Et en même temps, tu te sens perdu au milieu du truc. Et c'est des nouvelles sensations, quoi. C'est des nouvelles des nouvelles odeurs, des, nou des nouvelles, des nou enfin, tout, tout est tout est complètement nouveau. C'est très c'est très différent. Je veux dire, la télévision et la scène. Même si là, c'est la télévision, c'est plus de la scène. On est dans une salle de spectacle. Troisième problème. En considérant qu'un train de marchandises peut contenir environ 3 tonnes de pommes et qu'un individu moyen pèse environ 65 kilos. Calculez combien d'individus on peut mettre dans un train de marchandises. Hein. Vous voyez, c'est assez global. Hein. Alors bien sûr, Pamela Cohen, interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père. Hein. Oh, c'est trop facile. Hein. Est-ce que tu penses que c'est le passage obligé Je ne pense pas que ce soit un passage obligé. Je pense que c'est bien de le faire à partir du moment où on est prêt. Euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, on, on, on fait de l'humour. On ne vend pas une pièce de théâtre. Tu vends une pièce de théâtre, tu n'es pas obligé de passer à la télévision forcément parce que tu peux convaincre sur l'histoire. C'est toujours mieux si tu fais un peu de télé, évidemment, mais tu peux convaincre sur une histoire. Tu n'es même pas obligé d'avoir forcément un acteur connu pour qu'un film fonctionne parce que tu vends une histoire. Quand tu fais du seul en scène, tu te vends toi. Donc c'est très compliqué de remplir ta salle si on ne sait pas qui tu es. Donc évidemment, le, les médias sont un passage obligatoire euh, pour commencer à remplir ta salle. Après, il y en a qui vont te dire non, il y a des contre-exemples. Oui, il y a toujours des contre-exemples. Mais enfin, quand même, généralement, pour donner l'impact de départ, euh, il faut quand même un petit peu de télévision. Et les galas, en plus, c'est une manière de te... C'est une manière de te, de te confronter un peu aussi aux autres. Euh, c'est pour ça aussi que c'est très périlleux. Hein. Un sketch, un sketch que, qui marche très bien sur scène peut ne pas marcher en gala. Inversement, l'humoriste qui va passer avant toi a un impact sur ce que tu vas faire après. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup en gala.